Bonjour à tous, c'est Samosa. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première ouverture Point de Fusion sur ma chaîne. J'ai réussi à avoir un petit tripack Mentally et let's go, on va s'ouvrir ça. Pour info, j'étais pas forcément chaud d'en ouvrir, mais j'ai été récemment en fait très séduit par les vidéos que j'ai vues sur YouTube. Le ratio n'a pas l'air tip top, mais franchement, les cartes sont plutôt belles. Et je sais pas, il y a quelque chose qui fait que cette extension est assez particulière. Elle arrive, je sais, après Évolution Céleste et Célébration, qui sont deux grosses extensions. Mais je pense que Point de Fusion a pas mal de qualité, même si le ratio et le taux de drop n'est pas forcément bien élevé. Donc écoutez, on ouvre ça maintenant. C'est parti. Donc il est là, le petit tripack. Cette fois-ci, j'ai ramené des sleeves à côté de moi, même si, vu ma chance légendaire, je suis pas sûr d'avoir de très très bonnes cartes, mais on va tester. Donc on va pas perdre de temps, on va l'ouvrir tout de suite, ce tripack. Hop. Hop, hop. Oui. La petite carte promo Mentally. Qui est franchement pas mal du tout. Alors pour les cartes promo, franchement, en ce moment on est gâté. Évolution Céleste, c'était le Noctali. Là c'est Mentally. Franchement, on va la mettre là. Hop, hop. Donc let's go. Je commence par celui-là. Hop, hop, 1, 2, 3, 4. Alors, énergie haut, draw art, flat tout temps, cri d'acier, voilà, stylé. Petit Maril qu'on a vu au début, Galvaran, franchement, illustration bof bof, mouton, tournicoton, Gobu, en reverse Miasmax et Alligatueur en holo. Franchement stylé. J'aime beaucoup Alligatueur, donc ça me dérange pas de l'avoir, que d'avoir que d'une seule holo. Et en plus elle est stylée. Franchement Alligatueur, pas mal. Allez, on ouvre le deuxième. Deux, trois, quatre. Énergie obscure. Brutalibré. Yes, Loclass. Elle était stylée celle-là. Je l'avais vue, elle était stylée. Écolier. Démanta. Larvibule. Motisma. Colorior qui est extraordinaire. Franchement, l'illustration est dingue. Carvana. En reverse, Brocélum. Et enfin, petit Stélix en holo. Franchement, pas mal. J'ai vu que même les holos étaient durs en fait à obtenir. Et là, franchement, pour une toute première ouverture, j'ai déjà deux holos. Bien stylé. Bon, évidemment, hein, c'est pas ce qu'on recherche, mais c'est déjà bien. Hop. Deux, trois, quatre. Énergie acier. Scout. Gros doudou. Franchement, je suis pas trop fan de ce genre d'illustration. Excadron. Lipoutou. Franchement, on est tous d'accord pour dire que l'illustration est très très étrange. Ah, Démanta. Larvibule. Motisma. Punaise, comme le booster d'avant. Que le Rior, Gant spongieux en reverse et Serpang en commune. Bon, voilà pour ce tripack. Que des holos.
avec une carte promo. Bon, ça correspond exactement à ce que j'ai vu grosso modo sur YouTube, hein. Ratio pas ouf, mais quand même content d'avoir testé cette extension. Bah écoutez, j'espère que cette ouverture vous a plu. On n'a pas paquet d'ultra rares cartes, mais pour moi c'est déjà une première ouverture de points de fusion, donc c'était plus une vidéo de découverte sur ma chaîne. J'imagine que vous en avez vu plein d'autres, des vidéos de ce genre, mais je tenais quand même à en ouvrir sur ma chaîne. J'ai prévu de faire une partie 2, car j'ai trouvé un deuxième tri-pack point de fusion. Et ensuite, bah, je verrai bien si j'arrive à en trouver plus en magasin. C'est assez compliqué, et les prix sont assez élevés. Je sais pas pour vous, mais moi, ce tri-pack, j'ai trouvé à 20€. C'est pour ça que j'étais pas forcément chaud d'en prendre, mais je me suis dit, pourquoi pas tester. Je sais que Evolution Céleste, j'en avais trouvé à... je crois 14,90, quelque chose comme ça. Là, 20€. Bon, augmentation de prix, aïe aïe aïe. Hein. Mais bon, j'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu. N'hésitez pas à liker, laisser un petit commentaire sur les cartes que vous avez réussi à packer. Et nous, on se retrouve très bientôt pour la partie 2. C'était Samosa, portez-vous bien et à très bientôt.